Wow. Wow. La frayeur qui m'a fait. Oh, la deux balles qui lâche la psss. Ps. On les entend, les tueurs, c'est juste ouf. Ouais, c'est parti, mais c'est pas si mal fait. Hein? On a 200. J'ai quoi l'Ethernet, c'est trop lent. Ouais, pas de soucis. T'as bien raison de mettre un câble. Hein. Pour jouer à GTA, il faut que ce soit câblé. Un Wi-Fi, t'aurais que des problèmes. Ça va bien. Ça va trop de folie. Yes, mais bon appétit. Ah ouais, il y a un 4x4 devant, il roule comme un fou lui aussi. Ah ouais. C'est pas avec du tabac ça, non? Ah non. Peut-être un gars du ranch. Je vois un chapeau de cow-boy. Bonsoir. Salut mon chef.
C'est pas grave. C'était pas mal. Ouais. C'était joli, non? Ah ouais. Ouais, j'ai pas réussi à tourner ma queue quand même. C'est un 8 ball, donc attends. Je me souviens plus des règles du 8 ball, moi. Il me semble qu'il faut les rentrer une par une dans le bon ordre. Il y a un truc comme ça. Attends, je vais faire ça. On va la frapper comme ça. Et paf. Oh pff. Alors ça, c'était mauvais, ça. Bon. Je sais plus s'il faut les rentrer. Je me souviens plus des règles du 8 ball. Je voulais lancer un billard classique, mais je me suis foiré. Ouais. Oh, c'est ton vraiment un chib ou c'est ton comment carrément? Comment te dire? Je sais pas. Comment te dire? Attends. Voilà, ça c'est pour moi quand même. Impeccable, j'en ai foutu un bon bordel. Ouais, c'est pas mal. Mais en fait, je sais même pas comment on doit les rentrer les boules. Dans quel ordre? Je n'ai aucune idée. Allo? Ouais, faut faire des bornes pour les rentrer, je crois. Est-ce que tu pourrais le garer derrière carrément le garage? Tu vois, une petite ruelle, tu le mets ton derrière. Ouais, j'étais en train de faire un petit billard dans le yellow, tu vois. Ouais, avec grand plaisir mon chef, je te dis à très bientôt. À tout de suite. Honnêtement, je sais pas du tout ce que je fais là, je tente des trucs au hasard. Je me rappelle plus des règles du 8 ball. Mais je sais pas comment... On met la boule noire, et ah bah t'as gagné. Non. Ouais. Ah du coup, en fait... Alors c'est toi à toi. Ah non, c'est toi encore à moi. Non, c'est toi à toi. Bah, apparemment, je peux y aller, donc écoute, je vais y aller. Ouais, moi, je sais pas trop ce que je fais là. Oh là, je suis... Ok, ouais, le but c'est de les rentrer, peu importe l'ordre en fait. Ok, bah si c'est peu importe l'ordre... Maman. Ah, arrête-toi. Ouais, elle est où la boule? Attends, tant que je les rentre, c'est pas à moi, non? Bah, t'en as rentré une, là? Bah, j'en ai rentré encore une, oui. Ça fait deux. Ah, ok, pardon. Attends. J'ai un dit. Faut essayer de décaniller la verte, quand même. Ok, au pire après on va relancer un billard normal parce que celui-là, je sais pas du tout ce que je fais là. Ouais, pas grave. Vas-y, c'est ton rapport mon chef. Là je suis... Je qu'il faut les rentrer dans l'ordre des chiffres quand même. Ah... Bah, on va rentrer à deux d'abord alors. Voilà, du coup vu qu'on a commencé complètement à l'envers... Hein. Ah, Ouais, au pire, au pif. Ouais. Bah, bien. Ah, c'est nul. Ouais,
Je vais bien arriver à rentrer une. Oh mon dieu quoi, je suis maudit quoi. Blanche, carrément. Je suis maudit. Enfin, Oh, j'ai trop vraiment pas doux et je te le dis. Bah on est deux comme ça. Après sur le billard classique, je suis bien meilleur. Mais alors là, comme ça, ça m'a complètement perturbé, quoi. Ouais, je suis vraiment, je sais pas. Et bah pourquoi tu boxes à table? Oh d'accord, il boxe à table et il gagne en plus. Non mais ouais, non mais c'est... Il nous a fait une technique de karaté, c'est incroyable. Oh dommage. J'avoue que... Ouais, est-ce que je peux en mettre une s'il vous plaît? Je vais tenter là-bas. Oh. Ah plutôt ici. Oh vraiment quoi. Je suis dans le fond. Passez à toi. J'essaie d'appeler les patrons carrément. Mais ils étaient passés les motards tout à l'heure. Après ils étaient peut-être occupés. Ah ok. Ah parce qu'ils sont motards les patrons aussi. Je sais pas s'ils sont motards mais Je sais pas. Les biqueurs qui étaient passés là quand même tout à l'heure là, ils m'ont dit que le yellow il allait ouvrir après. Hein. Ah ouais, ouais c'est toi un enfer hein. Ah, téléphone. Ah, le Tiki Bar, il voulait des cartons. J'ai oublié de leur faire. Oh putain. Allô. Allô. Et on passe vous chercher les cartons. Je suis pas au Benise. Ah merde, y a personne de d'employé qui est là-bas. Non, mais j'y serai dans une heure, un truc comme ça. Je vous préviens. Ok. Ok, pas de problème. À plus tard. Bonne soirée. Oh, il attendra pour ses cartons, c'est bon quoi. En plus, je lui ai dit que je le préviendrai pour les cartons quand ils seront prêts. Le mec, il m'appelle quoi. Ah, mais vraiment, j'ai pas les yeux en face, moi, c'est pas possible. Oh, les yeux en face des trous, gars. Oh, putain. Là, je suis vraiment dans le fond. Je vais prendre celle-ci en direct. Après ça faisait un bail, j'avais pas touché un billard aussi. Bon déjà là mon chef, genre commence à prendre le coup de main, je vais tout éclater là quand même. Ah c'est à moi là non? Ouais. Ouais c'est toi.
Et t'en comprends peut-être dedans. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Ils ont compris. Merci mon chef, là tu m'as régalé, gars. Ah putain, moi je tombe vraiment. Moi, je vais pas m'énerver sinon ils vont se mettre à pleurer donc. Ouais, tu pourras le faire. Ouais, t'es tant pas mauvais, je pense, niveau score, là. C'est trop vraiment dommage là parce que vraiment il y a l'endroit dessus. Et bon, j'ai tourné où le thé ? Ah ouais, elles sont sonnées quand même. Bon, je vais en couper les imprimés. Bon, je vais m'enlever du service quand même. Ah, arrêtez de travailler. Tu fais avec ton téléphone, arrêtez de travailler directement. Via l'application métier. Pas abandon. Pas abandon. Maman, je vais vous matraquer. Pas abandon de poste, tu mets ton arrêter de travailler seulement. Voilà, là maintenant il est enfermé. Mais j'aurais fait trois trous que j'en aurais même pas rentré une. Eh. Chingado. Je m'énerve. Boule blanche. T'as tiré la boule blanche, la deux chaînes. C'est ton beau ça, non? Non, por favor, take it easy. Me. I'm connected, okay? Je lui en fais peur. Ah, ça, je pense en écoute fil. Ah, il m'a trop fait rire, celui-ci. Ouais, allô? Ouais, ça allons pas mal là. J'ai failli mettre un coup de boule à un gavalon là, c'est pas incroyable. Alors, on a pris une petite pause en étant au yellow en train de faire un billard là quand même. Hein? Ouais.
si tu veux, je te mette une branlée, va loin quand même. Ah, le shit. Bon, t'as mangé, mon chef ? Voilà, c'est pas toi. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est toi, toi, c'est toi. Okay. Vu que t'as rentré la boule blanche, j'ai dû la tirer, sauf que je peux retirer le pas trop, quand même. Un peu comme ça, ouais. Bon, pire. Ah putain. Vraiment maudit des besties cool là. Allez, 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 allez. Oh. Ouais, elle tombe pas trop mal, si elle tire pas trop fort celle-ci. Ah ouais. Déprimé lui. Ah ouais, je vais pas t'en mettre dans l'œil la boule, arrête de. J'ai réussi à louper une feuille comme ça. Oh, j'ai envie de me suicider. Ah bah non. Je fais comment sans patron moi après. Crucifié, je vais en mettre sur le mur. Ah. Oh. Oh, c'était quoi ça? Oh là là là. Et vraiment là, c'est... J'ai remplacé la boule optimum, carrément j'ai réussi à louper. Oh. Ah, je pense c'est que trop j'ai... trop fort aussi, je tire vraiment trop fort. Je vais tenter la même technique, hein, c'est bon. Je vais tenter un bourré, carrément. Ouais. Incroyable. Oh, avance. Ah non. Non, il trompe pas mal place. Ah, je peux tenter un truc, ouais. Eh ben non. Ah, du coup, c'est cadeau. Il y a moi les Brésiliens qui allaient en arriver pour qu'on joue un petit peu au billard. Yes. Alejandro, Alexandro. Ouais, plaçons-toi la blanche quand même, et comme ça tu pourras mettre la dernière. Je pense que je suis pas trop mal là. Tu m'en fous quand même. Toujours. Oh putain de merde. Oh j'en peux plus. Tu pourrais être aussi nul quand même. Alors on peut pas être bon partout hein. Je fais bien marcher la boîte, mais je veux pas être bon billard. Oh putain.
Oh wow, ok. Oh bah écoute. Il faut rentrer à la Bourges aussi, je crois bien, non? Comment que... Ouais, ok. On les attend ou on lance? Ouais, je te laisse préparer la table. Attends, je vais poser ma queue. Moi, je ne savais pas trop préparer une table. Là, ça, c'est une vraie table. Du coup, on va les attendre. On fume une plante. Yes. Et toi, t'as intérêt de te calmer parce que sinon, je vais t'éclater la tête. Ah, il fait nuit carrément. Ils sont vraiment dans un sale état, ce machin. Ouais. On dirait les véhicules de service du tabac. Je me souviens, ils donnent ça au tabac quand on travaille au tabac. Donc c'est peut-être ça, je sais pas. Une fois qu'on prend un petit peu le temps de se détendre, c'est trop bon. Ouais. Clairement, ouais, là j'apprécie. Vraiment. Après tout le charbonnage, là, ça me... Ouf, c'est du bien. Et puis ils étaient tous arrivés en même temps, là, quand il y a les Schmitt qui est arrivé et tout. Et du coup, c'est ce qu'ils m'ont proposé, ils voulaient que je fasse faire des tiges aux jeunes là qui étaient venus, là, tu vois. Ouais, ils m'ont dit, ouais. J'avais refusé, je voulais pas d'un voleur au sein de mon entreprise, Gaël. Ouais, clairement, ouais. Alors, je voyais ce qu'ils faisaient comme qualité dans la police, hein, j'en voulais pas dans mon garage. Oh wow. Ah ouais. C'est quoi ça? Si voulons faire la course, je vais le rythme. On aurait dit une comète. Non, c'est un vieux comète safari, un truc comme ça, quand même. Ouais, c'est bien ce que j'ai vu, une comète. Je reconnais le moteur à 10 km. C'est exactement, enfin, c'est pas celle-là que je veux, mais c'est une comète que je veux. Ça a le diable comme voiture, ça, les Porsche. Ouais, alors la prochaine que j'achetons, si c'est une comète, ça sera celle qui s'appelons la Grolich, croyons, elle est décapotable. Yes. Ah, ça c'est un moteur de... Ouais, j'ai reconnu. Excellent la voiture. Oh, c'est dans le feu ça, mon chef. Elle est incroyable l'auto que t'as retrouvé, mon chef, c'est ton coin ça. Elle est à vendre, ça t'intéresse? Ah, mais tu m'as appelé il y a 2 minutes, toi. Posé si, j'ai appelé, mais tu m'ignores, tu es comme une merde. Mais j'étais en train. Comme si j'existais pas, comme si toi et moi on était rien, comme si j'étais pas ton frère, ton ami. Arrête, arrête, j'étais en train de jouer mon coup bizarre contre le patron. C'est pour ça que je pouvais pas répondre. Il y a mon cousin qui est ton là quand même. Ah, bah il est là, tiens, c'est lui ici. Ah, la caravane, carrément. T'es arrivé trop vite, on allait la vendre. Incroyable. Incroyable. Comme tu dis. Ouais, dommage. Tiens, la plus belle. Elle est là, la plus belle. Bonsoir, comment ça va, bordel du cul? Bonsoir. Comment ça c'est comment ça va ici, qu'on dit? Je l'avais embauché, du coup. On vous a jamais parlé, enfin, appris à parler correctement. Elle était bonne la moisson, hein. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Et ça va le shérif? Ça va et toi? Ouais, ça va.
C'est qui toi? C'est Nassir. Ah oh ouais, putain, c'est ça. Attends, le petit gars du tabac, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle, ouais. Ça fait un bail que je suis pas passé par ici. Ah putain, oui, parce que j'avais une question en plus pour toi. Ouais. Après, mon chef, on pourra discuter de certaines choses dans un petit peu dans un coin tranquille. Hein. Tu poses pas bêtise, toi, déjà? Ouais, si, si, exactement. Ah, c'est ce qu'il semblait, ouais. C'est à moi que t'as demandé l'autre fois pour les cartons. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, mais et après, quand t'es passé, j'étais parti en inter. J'aurais une question à vous poser. C'est votre établissement, non? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je voulais avoir une question par rapport à votre établissement. Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir sur mon établissement? Je voulais savoir si vous faisiez des tacos. Non, mais tu la veux celle-là? Des tacos dans mon établissement? Pourquoi pas de la tequila, t'en connais? Ouais, ça va pas bien, non? J'adore quand elle est comme ça. Ah, franchement, elle est pas trop mignonne quand elle s'énerve. Oui, mais il y avait envie d'un bon petit tacos, vous comprenez? Ouais, bah tu vas dans le sud, tu vas voir dans le sud, il y a un aéroport là-bas, tu rentres dedans, tu mets ton cul dans un avion et tu demandes qu'on t'amène au Mexique. Mais je suis brésilien, mais c'est pas grave. Mais j'en ai rien à foutre dans ton pays à la cour de bronzer. J'ai le droit de rentrer dans votre établissement quand même. Ouais, t'as le droit de rentrer parce que j'ai pas le choix en ce moment. Elle est trop mignonne. Elle est elle veut dire oui. Non, ouais, c'est un peu des terfioles des clients. Ouais, la vie est belle. Diras, ça fera un temps sur temps avec les. J'étais en train de me concentrer pour mettre un bon coup de queue là, carrément, et ben on fait peur. Ouais, bah c'est Jeannette, elle a toujours un peu peur, et du coup elle fout les jetons aux autres. Ouais. Ouais, on a vendu whisky, elle se met derrière le gosier par ici. Ça oui, du whisky, oui, ça y en a, du le meilleur whisky de l'île. Allons-y. Je voulais savoir s'il y a toujours une odeur de cul dans le bar. Quand il y aura le tien, certainement, mais on va voir ça. Je sais pas, chaque fois que je rentre dedans, je sens une odeur de cul. Ouais, ça sent la fesse moite, t'as bon raison. Peut-être que ça fait longtemps que t'as peut-être pas modifié le cul de gonzesse. Ça aussi, mon petit gars. Ma cousine, tous les week-ends, la montre. Par contre, si ma belle, si ton cul il sent comme ça, t'as le nettoyer. J'ai l'impression qu'il y a un Chico qui a fait son coin pipi ici déjà. Avance toi, au lieu de faire les commentaires. Oh le chef. Et voilà. Ça va Patrick? Bonjour, bonjour. Ah, je vous dis, c'est pas trop ouais, par l'ancien, putain, les bronzés, là. Ouais, on va parler avec eux, non? Oui, c'est des amis à nous. Si, si, ils viennent dans les favelas, des fois. On peut fumer dedans, ma chef. Quoi? Bien sûr, tu fais ce que tu veux, ouais, pas de soucis. Qu'est-ce que vous buvons, les chefs, quand même? C'est le chevillon à tourner. Ah bah. Et bah pareil, hein, allez. Hein. Et pour mon chef, un whisky aussi? Yes, ouais, je vais suivre. Ouais. Un Sky. Bon, et vous buvez quoi, les chefs? Ah bah, une tournée, carrément. Tournée générale, carrément. Ah bah c'est parti. Meilleur whisky, tiens. Tu m'en diras des nouvelles. Bon, j'aime bien ça, le whisky, quand même. Bon, Chicanos, tiens. Tiens, verra, hein. Ah, c'est le prix. Tiens pour toi aussi. Si, merci ma belle. Ah, j'arrive au bon moment pour la tournée générale. C'est... Ah, vous avez entendu le nom, vous êtes arrivé là, direct. C'est mon dernier whisky, là, je suis arrivé à Mac 2, tiens. Ah ouais, t'entends bien, chéri, pour ta chèque. Attends, ça vaut pas eu ton whisky, toi, non? Non. C'est bien. Ah, tout le monde, quand même. Ah, merci. Je peux le servir, t'inquiète pas. Ouais, parce que j'ai voulu un double, quand même, un double scotch, quand même. Ah ouais, ça rêve, des fois. Ah ouais. Waouh. Ah mais il tape au fond le bon, coton. Non, t'inquiète, y'a pas de soucis. Et bon, ben moi, elle m'a oublié, hein, la vôtre. Hein.
Sentons, Karim. Bah, la vôtre. On va santé, les petits gars. Si, moi je bois mes pieds, non? Je sais pas, non? Tu bois quoi, toi? Je bois mes pieds, non? Je sais pas. Oh, c'est déjà pas mal, t'as. Tu m'as un petit peu oublié, non? T'as quelques bouteilles vides qui te mettent aussi là-bas, si tu veux, tu peux les curer. Ah, si, d'accord, c'est gentil. Ah, mais comment ça, je t'ai pas oublié, putain, tiens. Non, tu me l'avons glissé à moi. Merci, là, tu m'as. Tu vois que. Contrôle les biens que je te les règle tous, Karim. Attends. C'est pas grave, on est pas. Merci. La santé, merci beaucoup, monsieur. Ouais, avec grand plaisir. Tiens, la boîte. Je l'ai eu en trop. Ouais, mais il tape pour le fond de la gorge, carrément, celui-ci. Il est fort, hein. Ah, mais ça, c'est pas du whisky de tapette, hein. C'est peut-être pour ça aussi. Ouais, il est bon, ouais. C'est ton lourd alcool d'homme, quand même. C'est du whisky pour les hommes, oui. Ouais. Avec un gros Z. C'est pas la tequila de chez vous, là. Et elle est bonne la tequila, t'inquiète pas. Ça j'en doute. Hein. Ah, tequila. Oh, qu'est-ce que ça raconte? Vous travaillez tous au Bédis là? Vraiment, lui avec la tête qu'il avance, il doit être un membre éminent des forces de l'ordre avec sa tête. Oh, bah, pas le shérif, non. Ah, oui, bon, pardon. Ouais, dans lui, je me doute bien qu'il travaille pas chez toi, ah, ouais, bah, putain. Oui. Ah, si je travaille au Belize, le Belize serait toujours ouvert. Oh, y a avant le petit chef qui est à droite là, qui travaillera avec moi. Ah, les deux autres travaillent pas avec toi? Ah, c'est pour les amis et les clients. D'accord. Et ah, vous les travaillez amis, où les deux autres là? Surtout moi, l'autre je le connais pas quand même. Et moi j'ai travaillé à la mine au début. Ouais, bah ça fait refaire la mine, mon petit gars. Si, merci. Heureusement que t'es là, j'avais pas vu, merci. Putain, bah, ouais. Ouais, ouais. Ils n'avons pas la télé à la maison, quand même. T'inquiète pas, on a vu ta gueule à la télé aussi, t'inquiète pas, la belle. C'est vrai? Tu m'as vu, la star? Si, je t'ai vu, franchement. Ah oui, c'est vrai, ça. Amoureux à ce moment-là de toi. Ouais, t'es pas le seul, mon petit gars, c'est normal, je suis une star, c'est normal. Oui, j'ai une grande gueule, c'est ça que j'adore chez toi. Ouais, ça, c'est trop bien agréable. Ah oui, carrément. Ah si, il vaut mieux avoir une. Il y a une étincelle, là. Ah, une femme forte, quand même. Si, c'est ce qu'il faut. Après, comme je l'ai dit la dernière fois, tu as fait la petite. L'énerver, mais dans le fond, je suis sûr qu'elle est toute gentille. Ouais, toute gentille. Alors, qu'est-ce que tu fous de dans la vie? Il va falloir y aller, dans le fond. Sans moi, c'est bon. Ah, t'inquiète pas, va, pour mon fond, il se porte bien. Alors, qu'est-ce que tu fous dans la vie, bordel de cul, avec ta chemise de ta fiole, là? Je travaille dans les trains maintenant, un petit peu. Eh ben, au moins, ça évite qu'on voit ta chemise, c'est déjà ça. Tu t'habilles, mais vraiment, mais comme une merde, en fait, je regarde, là. Avec ton pyjama et tes pompes de merde, je sais pas quoi dire, là, c'est chaud. Moi, toi aussi, t'es trop belle. Quand on zappe sur les gens du Nord, regarde-nous, on a la classe. On sait bien ça, bien, bordel de cul. Ah, je suis d'accord. Le plus beau, de toute façon, ça reste le shérif, hein. Ah, ça, c'est vrai que le shérif, on peut pas dire que je vais être très beau. Par contre, quand t'as la pêche, c'est ton bien de laisser ta veste dans la voiture après. Tu vois, t'es méchante, tu vois, t'es méchante avec moi, le karma est à venir. La dépanneuse, elle venant d'embarquer ton auto, là, carrément. Non, mais t'es pas sérieux, bordel de cul. Si, je venant l'avoir par la fenêtre. Et quelle dépanneuse, c'est qui le PD qui a pris ma caisse, bordel de cul? Le Yoséchim qui a mon garé devant, tu voyons bien qu'il y a...